Bienvenue, c'est Daron Motard. Aujourd'hui, nous sommes partis une petite balade. Nous sommes samedi 19 février. Nous allons rejoindre l'ami Pascal à Boisdevillers, comme d'habitude, et nous allons à la découverte de quelques petits lieux insolites. Enfin, j'espère en tout cas qu'on les trouvera. Je sais pas chez vous, mais ici, hier, ça a été tempête à plus de 110 km/h ici à l'intérieur des terres. Donc il y a eu pas mal de dégâts au niveau des arbres qui sont tombés. Aujourd'hui, ça souffle encore très très fort. Je sais pas si vous m'entendrez bien, donc pardonnez-moi d'avance pour le son. On rejoint l'ami Pascalou. On est presque à l'heure, on avait rendez-vous à moins quart, il est 47, c'est bon ça. Voilà, quel timing, je vous dis quel timing. Et là, voilà, la moto est là, hein. Le Pascalou, il est là. Hop, hop, et voilà l'ami Pascalou. Je vais le mettre derrière lui. Hop, yala. Hop, et comment on va? Oh, oh, ah. Hop. Quoi? Avec la moto. Ah non, je sais, on reconnaît plus, hein, que c'est moto propre. Ça va, gros, ouais. Hop. Bon, les amis, il commence à pleuvoir un petit peu, mais c'est pas grave. On va prendre direction Maretsu, première étape, Maretsu. Et l'ami Pascal a des choses, des petites emplettes à faire à Maretsu. Bah alors, on va aller à Maretsu, voilà. Et puis de là, on va aller vers une ancienne poudrière, figurez-vous, donc une usine qui fabriquait de la poudre, des explosifs, des munitions. Et puis après, petit château. Donc voilà au programme aujourd'hui, les petits lieux... insolite, oui, on va voir si cette poudrière elle existe toujours, parce que c'est un lieu d'urbex en fait. Bon, il n'y a pas grand chose intéressant à voir, hein. Alors, ne vous excitez pas trop, mais c'est toujours sympathique. Et comme je vous disais, aujourd'hui il y a énormément de vent, donc on va y aller mollo, parce que sur une petite route, peut-être que le risque c'est qu'il y a encore des branches qui tombent. Vu que c'était tempête hier. Moi j'étais jamais venu par ici. On va se méfier ici sur la boue. Hop hop. L'abbaye de Maretsu. Décidément, tout tourne autour de Maretsu, hein, vous allez dire. Ouais, ouais. Voilà l'abbaye de Maretsu. On va laisser Pascalou faire son petit achat. Allez, Pascal a fait ses petites emplettes. Il faut que je mette le contact, c'est mieux. Pascalou a fait ses petites emplettes. On va pouvoir reprendre la route. Hop. Allez, on y va tranquillou, bilou bilou. Donc direction Douache pour un petit site d'une poudrière abandonnée. On va prendre des routes que moi personnellement je n'ai jamais prises. Nous verrons ce que ça donne. On va monter, on a une belle vue sur l'abbaye là normalement. Waouh.
regarderai ça la vidéo, mais... Magnifique, hein, une superbe maison bâtisse ici. Ouais, le coin est très joli. Hein. Donc il n'y a pas que la Molinier, hein, les amis, il y a plein de belles petites routes. Il y a plein de belles petites routes ici. Pas loin de la frontière française, on va passer en France aujourd'hui. On va aller dans les forêts ardennaises françaises. On va rejoindre par la suite, donc une fois qu'on aura vu le petit château qui est encore en Belgique, on passera la frontière française pour revenir traditionnellement par le bord de Meuse, donc Givet, Dinan, etc. Voilà, c'est pas une excessivement longue balade, mais pour l'instant, franchement, très belle, très très belle. Et voilà, on y est, l'ancienne poudrerie, voilà, c'est ici, bâtiment, on va s'arrêter ici, donc c'est vraiment tout à l'abandon, tout à l'abandon. Et voilà la poudrerie de Douache, qui est tout un site qui fait plusieurs hectares par là-bas, qui est un ancien site de production de poudre et de cartouches, munitions. La maison, j'ai vu des photos des années 60 où il y avait la maison qui était encore... tout est à l'abandon depuis 1990. Sympa la petite route... un peu de fraude quand même chaque fois. Ah. Ah là là. Hop. Ah ouais, c'est barbelé, barbelé. Hein. Barbelé, barbelé. Voilà. Toi qui s'est effondré. C'est comme machine. Un vieux compteur électrique. Ouais, il reste vraiment plus rien d'intéressant. J'ai un vieux bateau.
Voilà les amis, le premier petit spot que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va reprendre la route avec l'ami Pascalou. Et voy. Allez, à tout de suite.